mettre mes souliers devant la cheminée. Retrouver tous mes doutes, manger de bonnes choucroutes. On va vivre avec ça et plus de margoutes. Yeah, on peut me trouver naïve, mais dresser cette liste non exhaustive, ça permettra de chasser le blues en rentrant. Faire le tour des caves et les routes des vins, montrer toutes mes photos, faire baver les copains, tirer mes décolletés, sortir les cols roulés et les bottes fourrées. Aller chez Ikea et revoir mon papa, et tout bazarder ce qui est tropicalisé, et ne plus supporter les chaussures fermées, le fils qui va m'étrangler. Ne plus brûler mes gâteaux et reprendre le métro, et ranger mon hamac, remiser mon kayak, promener dans les parcs en pensant aux virées, aux chouettes amitiés. Supporter les grèves et les discours sans trêve, ça ne m'attire pas, dans mon cœur ça me fait froid. On a tous bien mieux à faire, et je ne serai pas la première à vouloir faire des tas de projets en rentrant. Traquer le cafard, être traqué par lui, les sirènes des flics remplacent les chants des coqs. C'est beaucoup moins typique, ça va nous faire un choc de moins avoir de frites. Allumer un bon feu quand l'automne s'en vient, et aller aux champignons et s'en faire un festin. Faire beaucoup de voitures, me serrer la ceinture, me dire que je vais bien. Mettre à râler dans les files d'attente et aller au ciné chaque fois que ça me tente. Piquer le faux pour fou rire, mais de très gros soupirs en voyant Thalassa. Refaire des kilomètres pour aller faire trempette, ça ne me réjouit pas, non ça ne m'emballe. Permettra de chasser le slim en rentrant. Manger des tomates mûres et des ananas verts, des jus insipides et des courgettes peu chères, des melons de Cavaillon et puis de vrais brugnons, faire une indigestion. Frapper des deux pieds chaque fois que j'entendrai un air de tamouré ou de ukulélé. Retrouver les taxis, mon doudou favori, et les hivers pourris. M'extasier sur des girelles qui se battent en duel, en Méditerranée, devenue dévastée. Regarder la télé aux 400 chaînes câblées, me remettre à rêver. Et se sentir rempli de ce bonheur vécu, et ne jamais se dire, on ne se verra plus. Et là, quel que soit le lieu, continuer d'être heureux, emmerdé et grincheux. La 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 la. Merci, mes petits.
Nathalie, le grand sourire de la petite Lady, et après Sophie Colombert qui reprendra son savoir-faire et qui va remplacer Odile qui s'occupait dans toute l'île de ses élèves les plus fragiles. On sait que ce n'est pas facile. Il faut bien passer à la main. Yeah.
da 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 di da da da, certains encore pour quelques mois, da da di da da da, et à coup sûr leur tour viendra, da da di da da da, d'ailleurs on le fait nous voir, da da di da da da, da da di da da da, da da di da da da, et puis il y a ceux qui vivent là, da da di da da da, qui ont la chance à Baraka, da da di da da da, qui voient débarquer ses popas, da. Voilà, on part vers notre test.
destin, c'est notre destin. On va retrouver nos copains, notre famille ou nos voisins. Mais ici, on vous l'avait bien. Cette belle histoire, on l'a vécue. Ouais, ce qu'on a fait, ça nous a plu. Eh ouais, et c'est sans aucune arrogance, puisque l'on est tous en partance, qu'on vous tire la révérence. Et bye.